La fondation Semafo, déjà très active dans la zone d'exploitation minière de Mana dans la boucle du Mouhoun, œuvre désormais au Burkina Faso, dans les localités du projet minier de Natongou, dans la région de l'Est, et ce, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de l'appui à la production. Ce soutien aux populations rurales a pour but d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Depuis son existence au Burkina, de nombreuses réalisations au profit de ces localités sont à son actif. Dans le cadre de ses travaux de monitoring des projets en cours et en vue, Chantal Guérin, la directrice générale de la dite fondation, a entrepris une tournée du 7 au 14 octobre 2015. Une tournée qui a commencé par le village de Bongou, dans la province de la Tapoua. Là-bas, elle a offert aux femmes des nattes faites à base de sachets plastiques spéciaux, emballages, perdus de l'air. Elle a appris à ces dernières la fabrication de ces nattes. Qui conserve l'humidité et qui éloigne les moustiques. Chantal Guérin a également fait des dons en vêtements et matériels divers aux populations de Bongou. Elle s'est également entretenue avec les producteurs de sésame de la dite localité. Ces producteurs ont saisi l'opportunité pour lui soumettre des difficultés qui entravent la production du sésame. Des préoccupations qu'elle a notées avec beaucoup d'intérêt. On pourra les soutenir pour qu'ils connaissent vraiment l'utilisation des bonnes semences, pour avoir un rendement qui est meilleur. Par la suite, le 8 octobre 2015 à Natongou, dans la commune rurale de Partiaga, la DG de la Fondation Semafo a procédé à l'inauguration d'un forage d'eau potable. Un geste de la Fondation Semafo qui vient pallier le manque d'eau potable dans cette localité. L'infrastructure est d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Le lundi 12 octobre 2015, la directrice de la Fondation Semafo a mis le cap sur la région de la boucle du Mouhoun. Elle a entre autres visité la plateforme multifonctionnelle du village de Bissa, réalisée par la Fondation Semafo à hauteur de 7 millions de francs CFA. Une plateforme équipée d'un moulin à céréales, d'un concasseur et d'un moulin à karité. Celle de Zina, dans la commune de Kona, a été également visitée. En plus de la plateforme de Sio, ce sont là trois grandes plateformes qui font la fierté des populations. Elle est allée ensuite remettre des kits scolaires à l'école de Dangouna, de Bissa et de Fobiri. Un geste habituel de la Fondation Semafo pour soutenir les écoles de la localité. Ce que nous avons à dire, nous ne pouvons que remercier la Fondation Semafo. 55 000, c'est le nombre total de kits distribués de 2009 à 2015 dans la zone. Et cette année, c'est plus de 10 000 kits qui sont distribués dans trois écoles. Depuis trois ans, en plus des fournitures ordinaires pour mieux étudier le soir, tous les élèves du CM2 reçoivent des lampes solaires, fruit d'un partenariat avec la compagnie pétrolière Total Burkina. Une autre réalisation de la Fondation Semafo visitée par la directrice générale est le jardin maraîcher de Fobiri en cours d'aménagement. Ce jardin vise à permettre aux populations de mener des cultures de contre-saison. Toujours pour ce village, Mme Guérin a visité le chantier en cours du CG, un sujet en construction par la Fondation Semafo et prévu pour s'achever en novembre 2015. La directrice générale de la Fondation Semafo a pris part ensuite à l'inauguration d'un logement pour le compte du CSPS de Dangouna dans la commune de Kona. Une réalisation pour laquelle Mme Guérin a salué les efforts des populations locales. C'est la demande qui m'a fait le plus plaisir. Parce que c'est une demande qui a été faite après déjà votre participation. Alors, la Fondation le dit souvent, on est là pour vous accompagner, pour vous soutenir dans vos actions. Et quand vous débutez quelque chose comme ça par vous-même, par vos moyens, vous me démontrez donc vos capacités. Et ça, à ce moment-là, ça me fait plaisir de vous soutenir et de vous accompagner. Les apiculteurs de Dangouna et des villages environnants ont aussi bénéficié des appuis de la Fondation Semafo. Ils ont reçu 40 ruches modernes et des accessoires divers. Le séjour de Mme Guérin a également été marqué par un don de vélo aux élèves des lycées et collèges, dont le CG de Datomo. En tout, 60 vélos ont été distribués par la Fondation aux élèves des écoles primaires et secondaires de la zone. Je viens de recevoir un vélo ce matin de la Fondation Semafo. Je les remercie bien. La directrice générale de Semafo, Chantal Guérin, a bouclé sa tournée le 14 octobre 2015 par la pose de la pierre d'une école à trois classes à Misakongo. Une infrastructure à laquelle s'ajoute un forage d'eau potable. Des réalisations qui coûteront à la Fondation Semafo près de 29 millions de francs CFA. L'inauguration est prévue pour janvier 2016. Notre circonscription compte 37 écoles. Et c'était vraiment le village qui avait ses locaux vraiment dans ces conditions-là.
Ces actions de développement poursuivies par la Fondation SEMAFO au Burkina Faso ont valu à l'entreprise minière SEMAFO le premier prix édition 2014 la responsabilité sociétale des entreprises minières au Burkina Faso et le prix spécial communauté et développement local.